Bonjour à tous et à tous les amis Serval, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arc Valguero. Aujourd'hui, je me suis décidé à peut-être commencer à faire des meilleures armes, à faire l'arc, à adopter aussi des dinos. Alors, comme d'habitude, je tourne cette vidéo à la suite des autres. Je dis comme d'habitude, ça fait vraiment 3 épisodes que je tourne à la suite. Et puis, pourquoi je fais ça? Parce que, ben, tout simplement, je prends un plaisir fou à tourner ce let's play. Alors, et voilà, on va poser ça et on va aussi essayer d'en craft une autre en réalité. Comme ça, on va faire une rangée pour deux trucs. Non, même pas. On va juste mettre quelques trucs qui ne sont pas très utiles pour le moment et qui pèsent un peu lourd. Voilà, ensuite on va mettre ça. Les graines, ça pèse quand même pas si lourd. Alors, les baies, on va en avoir besoin. Certaines baies, on va en avoir besoin. Alors, ça, j'en ai vraiment pas besoin. Ça, j'en ai 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 besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Alors, je peux plus rien poser. Dommage. Bon, on va jeter quelques graines. Puis, on va remplacer ça par ça. Et voilà, c'est déjà un peu mieux. On va mettre ça ici. On va mettre ceci ici. Puis on va se craft surtout l'arc pour le début de cet épisode. Alors il nous faut du bois. Le bois doit être déjà tout carbonisé. Là, on va quand même checker au cas où. Le bois est tout carbonisé. Je m'y attendais un peu pour être honnête. Est-ce que j'ai mis quelques morceaux de bois là-dedans? Pas du tout. Alors, on va aller prendre du bois. Le bois le plus proche est en haut et là. Mais ça me tente pas de péter l'élément naturel qui est juste à côté. Je trouve ça quand même assez beau. Alors, on va prendre le bois qui est ici. Là, ça me donne beaucoup de bois, c'est ça. Voilà. En plus, on est juste avec une pioche en pierre. Hein. Attends, quoi? Ça nous a donné 214 de bois. Juste un arbre. Avec une pioche en pierre en plus. C'est bien. C'est même très bien. Alors, ça prend du temps, bien évidemment, en craft. Ça va nous donner un peu d'XP aussi. Ça nous a pas donné tant d'XP que ça. Moins que je pensais en fait. Et on va. On est trop lourd, j'imagine. Alors, il nous faut quoi pour des flèches? Alors, on n'a rien puisqu'il nous faut du silex, pile silex. Je l'ai laissé dans la maison. Fait que là, je suis dans la merde. Du con. Allez. Alors, aujourd'hui, mon objectif, ça serait d'adopter deux trucs. Ça serait premièrement d'adopter un par hasard, puis deuxièmement, essayer d'adopter un pteranodon. Tous les deux en même temps, ça serait vraiment parfait. Et crafter bien évidemment l'arc puis quelques petites flèches avec, ça ferait plaisir. Alors, premièrement, on va se crafter, on sait crafter l'arc, on va fabriquer quelques petites flèches. Ensuite, on va se crafter un deuxième bolas, on va adopter un parasaur, ensuite on va adopter un pteranodon, puis on va se laisser là pour la fin de cet épisode, sûrement à moins qu'il y ait d'autres surprises qui nous attendent. Alors, est-ce que là-dedans, il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'aider, mais ça juste que ça me vide, ça m'aide énormément. Alors c'est bien. Alors ça, il est niveau combien? Niveau 7. C'est vraiment pas super bon, vraiment pas super. C'est pas du tout ici, c'est pas du tout ici, c'est là dedans. Il y a quelques petits silex qu'on va prendre pour se crafter 23 flèches. C'est quand même bien, 23 flèches en été. Pour le début, c'est quand même très très bien. On va pas essayer de prendre d'autres choses pour le moment. On va juste essayer de trouver un par hasard de meilleur niveau et pourquoi pas un autre pteranodon. Et pourquoi pas trouver un pteranodon. Alors lui, niveau 7, on a retenu. Si on n'en trouve pas de meilleur niveau, on va prendre celui-là. Là, il y en a un autre qui est déjà un plus beau. Puis de deux, ce qui est plus haut niveau. Niveau 25, c'est très très bien. Surtout pour le début de game. Alors, c'est parti. Même à la fin, quand t'as un T-Rex niveau 25, en réalité, t'es quand même assez content.
Et voilà, on va l'adopter tranquillement, mais sûrement. Quelques coups de lance-pierre dans la tête. Allez, on dort toi bientôt. Bingo. Alors, premier dinosaure qui est à terre, on va lui mettre des baies. On va séparer ça en deux. C'est ce qu'on va essayer maintenant de trouver. Un pteranodon. Alors, il y en avait beaucoup là-bas, mais là-bas aussi, il y en avait. Et j'en avais trouvé dans le précédent épisode, je crois. Non, dans l'épisode numéro 1, j'en avais trouvé un assez haut niveau. Alors, on va aller là-bas, peut-être essayer de le retrouver, puis de l'adopter surtout. Alors, il y en a un aux ailes rouges là-bas que je vois là-bas. En réalité, j'aimerais bien avoir un super stylé. Au pire, s'il n'est pas haut niveau, je m'en fous. J'aimerais ça d'en avoir un super stylé. Le rouge avait l'air vraiment cool. Alors, on va essayer de le trouver. Il est là, bingo. Si on est capable d'avoir celui-ci, les amis, ça me ferait trop plaisir. Il a l'air vraiment nice. Alors, pose-toi délicatement. Puis ensuite, je t'adopte, ça te va? Non. Ok, alors. Oh! Il y a un Galiminus, les amis! Ah, mais on n'a pas la selle, faut que ça nous sert un peu à rien, quoi. C'est-tu un Galiminus? Ouais, c'est un Galiminus, c'est sûr. Arrête. Ils sont. Je m'en fous, je veux celui-ci. Il est trop beau. Donc je m'en fous s'il est niveau 1 ou n'importe quel niveau, je le veux. Non, pose-toi pas en haut par exemple, ça serait trop chiant. Pose-toi genre là. On a entendu le vent. Tombe. Parfait. Niveau 36 en plus, c'est parfait. Si je suis capable de l'adopter, c'est parfait. C'est pas encore joué. Peut-être qu'il peut s'en aller encore. Je crois pas que c'est lui que j'avais vu lors du précédent épisode. Ouf. Oh non, il va mourir, je crois, puisqu'il est dans le genre. Dans l'eau, non? Est-ce que son oxygène baisse? Son oxygène baisse pas, les amis. Oh, let's go. Et voilà, on lui met de la viande. On lui met toute la viande que j'ai. Et des nacouberries. Et puis, on peut le laisser là. De toute façon, il va pas mourir. Puisque, un, il est caché. Puis, de deux, ben, il n'y a pas de dinosaure dangereux à proximité, je crois. Alors, lui, niveau combien? Niveau 42! Attends, mais 42 ans. On parle bien de niveau 42 ans. C'est beaucoup. Alors, comment on fait pour réparer un truc déjà? Ça, il faut quoi pour réparer? Faut des fibres, on va essayer de réparer notre truc et si on est capable d'avoir deux par hasard, ça serait parfait. Ensuite, ici, on fait réparer l'objet, parfait. Il est où? Oh, c'est lui, je crois. Qu'est-ce que ça soit lui? Niveau 42, c'est lui, bingo. On va récupérer quelques pierres. En plus, on va bientôt monter le niveau. Je te suis, moi. Je te suis. Mais de très près. Bingo. De nouveau, on s'en bat un peu les couilles, mais bon, c'est pas grave. Yo. Oh non, je l'ai perdu. Oh non, je l'ai perdu. Bingo, il est là. Allez, niveau 42, c'est parti. Niveau 42. Et voilà. On est en train de l'adopter. Je crois que 50 pièces, ça devrait être correct. On n'est pas des pros de arc, nous. Mmh.
genre fucking go. Non. T'es genre l'eau de ouf. Endors-toi. Mais pourquoi c'était pas endormi le con? Pourquoi il s'est pas endormi? Oh, je suis deg. Attends, mais si j'assure pas dans le moins. Mais pourquoi il s'est pas... Oh, je suis deg. Les arbres étaient tellement beaux, ces dégosaures ici. Niveau 46. Idiot, c'est quoi cette map? Pourtant, j'ai mis au niveau habituel. Mais j'ai vraiment des très très hauts niveaux. Alors, il est où le gars que j'avais mis down? Je ne vois pas qu'il est parti parce que sinon, je vais avoir vraiment un l'arrache. Bingo, il a adopté, mais c'est parfait. Mais c'est parfait en fait. C'est juste parfait. Ok, puis nice. J'aimerais bien le monter. J'aimerais bien le monter. Ça serait parfait. Oh, si on pouvait le monter, ça serait parfait, j'allais dire. Si il m'aurait volé la selle, j'aurais vraiment été. J'aurais été vraiment en rage. Ok, il nous faut quoi? Il nous faut des fibres et du bois. Fait que toi, tu me suis, on va récupérer des fibres et puis du bois. Et en même temps, on va aller dans la direction du pteranodon pour être sûr de pas le manquer. Parce que si on le manque, putain que je vais être dégoûté. Putain que je vais être tellement dégoûté. Alors, on va courir. Et là, je crois qu'il est bientôt au bout de sa vie. Pas au bout de sa vie, mais au bout de sa vie. Ça serait parfait. Qu'il se développe pas, j'allais dire. Et encore là. Si on peut adopter. Pas du tout, mais pas du tout. Je pensais qu'il allait être bientôt adopté, mais pas du tout. M'appelle The French Sniper. Allez, hop. Je l'ai sniqué. C'était trop bien ça. Petit coup d'arc dans la gueule. C'est parti. Alors, il a pris toutes les baies, par exemple, ce cochon. Il a pris. Toutes les baies. On lui équipe sa petite selle. Et puis là, on a. Là, en plus, il y a la, genre la crête en blanc. Ça fait trop beau. Puis en plus, il est vert. Super. Quand on passe, quand on dit quelle couleur sont les dinosaures, en grosse majorité, on parle de vert. Alors, c'est parfait. Il est magnifique. Il est bon niveau. Et puis, c'est parfait. Il est magnifique. Il est bon niveau. On a la selle. C'est parfait. C'est parfait cet épisode pour l'instant. C'est vraiment parfait. Alors là, il nous faut juste avoir ce petit pteranodon, les amis. Et ensuite, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors je vous propose qu'on fasse une petite coupure et que j'attends jusqu'à temps que le pteranodon soit adopté. On se retrouve direct après. Ciao tout le monde. Re les amis, alors. Mon pteranodon est adopté et j'ai eu une idée de nom dégueulasse. C'est dégueulasse. Je sais, c'est très bizarre. Pteranoflash. C'est dégueulasse. Pteranoflash. Ouais, pas grave.
Non, ça c'est... Comment ça que je peux pas? Ah, peut-être parce que je me suis fait pas faire tout ça. Terra slash pi. Notre par hasard qui est monté de niveau. Maintenant, il est niveau 37, mais là, il va être niveau 38. On va lui augmenter un peu de tout. Ça va être notre garçon, si tu vois ce que je veux dire. Alors, lui, il n'a pas encore monté de niveau, mais il est monté jusqu'au niveau 53. Incroyable. Alors, on va prendre notre petit par hasard, notre terrain de qui va nous suivre de toute façon, et on va se rendre tout simplement à notre base avec nos deux dinosaures. C'est parti. Là, avec le pteranodon, comme ça, il va déjà là, il est au niveau. Alors, jusqu'à temps qu'on a la selle, il va encore plus monter de niveau. Il va être niveau peut-être 70, quelque chose du genre. Et puis, quand c'est ça, il va être à niveau 70 environ, je dirais. Puis, ça pourrait être vraiment super bien. Alors, on va faire pas bouger tous, puis ensuite tu vois, please, ce pose-là c'est parfait. Ce pose-là c'est vraiment parfait, et en plus il est vraiment super cool. Il est tout rouge, c'est vraiment super bon. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, objectif les 80 abonnés. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Ark. Ciao tout le monde, peace.